Est-ce que Neymar, c'est un gâchis pour le PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Neymar Junior, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que Neymar, c'est un gâchis pour le PSG? Oui, parce que lorsque Neymar est arrivé en 2017, tout le monde savait que c'est lui qui devait franchir un cap au PSG. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Neymar a seulement joué une finale de Ligue des Champions. C'est un mec qui a souvent été blessé lorsqu'on l'attendait, notamment en février-mars. Il était blessé. C'est un mec qui a même toujours une mauvaise hygiène de vie. C'est une personne qui n'est pas assez professionnelle. C'est une personne qui ne prend presque pas son métier au sérieux. Il ne prend pas son métier au sérieux. Donc, pour moi, c'est un flop parce qu'on l'a attendu pour qu'il vienne franchir un cap au PSG. On l'a attendu pour qu'il vienne au moins donner une bonne image sur le plan sportif au PSG. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Vu le talent, si c'est un joueur lambda qui fait ce genre de performance, pour moi, ce n'est pas un flop. Mais comme c'est Neymar, avec tout le talent qu'il a, on est exigeant avec lui. C'est pour ça que pour moi, c'est un gâchis, c'est un flop. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que pour toi, Neymar, c'est un flop au PSG? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.